she's been the queen as long as I've been alive. She's been the queen as long as my parents have been alive. So she's really a very, very important part of the fabric. You know, it's going to be terrible. It was a little surprising because you think of her as someone who will always be there, but yes, I guess she's not young. I was very sad. I think she's a very special queen. I wish for her health, and hopefully she'll always be there. En tant française, mais moi, ça me touche. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une figure emblématique pour les femmes de l'Angleterre en général. Et on a eu pas mal d'informations grâce aux séries, grâce aux réseaux sociaux autour de cette famille. Et je me sens plus concernée, alors que c'est pas forcément mon pays. Mais ça fait partie de la culture anglaise, mais mondiale, tout simplement. Les Britanniques se sont réveillés aujourd'hui sur des nouvelles alarmantes concernant la santé de la reine Elisabeth II. Le palais de Buckingham avait annoncé ce matin que son état était très préoccupant. Les membres de la famille royale, dont ses enfants, ses petits-enfants, ont été appelés à son chevet, à sa résidence estivale de Balmoral en Écosse. Les réactions des principaux dirigeants et personnalités politiques britanniques ont afflué dès l'annonce de la nouvelle. L'opinion publique semble se préparer à l'éventuelle disparition de la reine. Les différentes chaînes de télévision britanniques ont vu se succéder des commentateurs vêtus de noir, ce qui laisse présager un événement très grave. Ce sont des moments d'inquiétude pour la population qui craint le pire. La première ministre Liz Truss, le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer, l'archevêque de Canterbury, les chefs de l'exécutif en Écosse, Pays de Galles, l'Irlande du Nord et les pays du Commonwealth, ainsi que d'autres personnalités politiques très importantes à travers le Royaume-Uni, ont tous exprimé leurs préoccupations ainsi que leur soutien à la reine et à la famille royale. La reine Elisabeth II jouit d'une immense popularité dans son pays. Elle est grandement respectée à travers le monde car elle est considérée comme un symbole de maturité, de stabilité et d'équilibre. Pour la première fois, on a le sentiment ici à Londres que les heures de la reine sont comptées. Aujourd'hui, les chaînes de télévision ont afflué devant le palais de Buckingham. La population est en train d'arriver. C'est une foule qui a une ambiance pesante, une foule inquiétée par la situation de la reine et tout le monde s'attend au pire.